Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Deuxième épisode de notre petite aventure, j'ai envie de dire aventure de l'été. De l'été, bon, c'est pas vraiment l'été en France, hein, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu catastrophique, mais bon, c'est pas grave. En tout cas les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve du coup sur la map CTM The Hub pour ce deuxième épisode. J'espère les amis que le premier vous a plu. Alors, je me suis rendu compte en faisant le montage, en effet, que en ayant shooté avec l'arc dans ce petit truc là pour avoir la récompense, on a donc eu cette fameuse arc Infinity. Il y a cette plateforme qui est apparue, mais je n'avais pas fait attention, il y a ça également qui est apparu juste là. Donc on va directement y aller pour voir un petit peu où c'est que ça va nous mener. Je vois des particules vertes là-haut, donc je me dis que ça va nous donner comme un jump boost. Pas du tout. Voilà, comme ça l'affaire est réglée. Voilà, donc comme ça s'est fait. D'accord, donc ça sert à quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne sais pas. Par contre, j'ai un chemin rose là-bas. Alors attendez. J'ai un chemin rose là-bas. On va pouvoir monter. Je sais pas du tout s'il y était avant ou pas. Attendez, ça y est, je suis en train de m'égarer un petit peu. En fait, on se rend compte que ce fameux hub, hein, on peut considérer ça comme le hub, la fameuse base souterraine. Vous avez vu, on dirait, il y a plein d'énigmes. À tout moment, tu rentres dans une mission sans forcément le faire exprès. Donc voilà, c'est un petit peu. C'est pas comme s'il y avait différentes portes en te disant voilà, là c'est le puzzle, là c'est le parcours, là c'est la survie, là c'est les quiz, etc. Là, c'est vraiment, tu explores et à tout moment, tu tombes. Voilà, donc faut faire attention, bien regarder chaque recoin. Il y a peut-être un bouton qui se cache, un panneau, ou il n'y a pas de panneau. Enfin voilà, il peut y avoir des choses un petit peu partout. Donc écoutez, on va monter. Là par exemple, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est pas anodin quand même. À mon avis, ce n'est pas anodin. On a plein de cristaux ici. D'accord. Très bien. On peut pas faire plus que ce que j'imaginais. D'accord. Ah, j'avais pas monté le volume là. Ah! Là, il y a quelque chose à faire. Mais je ne peux pas, j'ai des murs invisibles qui m'en empêchent. C'est vert. À mon avis, ça a un rapport avec. Oh, attendez. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Oh. Ok, je suis un génie. Je suis un génie. Alors attendez, là où je suis, je sais pas s'il y a autre chose. Néanmoins, je sais que je viens de débloquer la suite du truc vert. Oh purée! Oh, ça fait plaisir. Comme d'habitude, le cerveau est stimulé. Donc vraiment un grand bonheur. Alors, donc on va retourner ici. Peut-être que là, du coup, l'effet va fonctionner. Qui sait? Je ne sais pas. Ah! Il s'est passé quelque chose. Est-ce que je peux aller là? Tout à fait. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne change rien. Est-ce que... Attendez, il faut peut-être le faire plusieurs fois. Non. Parce que, souvenez-vous, j'ai shooté trois fois le truc ici. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas essayer de shooter trois fois le truc là-haut également? Alors, on va remonter, on va voir. Parce que là, pour le moment, je ne comprends pas ce qui est censé se passer. J'ai bien compris qu'il fallait monter là-haut, là. Hein. On va ici, ensuite on va là, on monte et on arrive là-haut. Alors, est-ce qu'il faut peut-être shooter plusieurs fois? Voilà qui m'étonne. D'accord. Fort étrange. Là, je peux. Ah si, là, je peux aller. Parce qu'en fait, il y a des murs invisibles des fois. Sinon, il faudrait que j'essaye de monter là. Là, je peux pas monter, bien sûr. C'est très bizarre, ça, quand même. Il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui m'échappe. Ou alors, il y a une cible. Que j'ai pas vu. Attendez. Non, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Shulker box is located. Ok, donc c'est des shulkers. C'est des shulker box qui se débloquent. Donc pour le moment, on n'a pas de quoi débloquer. Ouais, là, il y a un mur invisible. Ah putain. Terrible. On peut pas faire ce qu'on veut. Alors là, c'est vraiment un premier casse-tête qui est en train de s'offrir à nous. Là, comme dit, je peux pas courir, sauter. Il y a un mur invisible normalement. Oh! Attendez. Attendez. Ouais, voilà. Il y a un mur invisible. Par contre, on a quelque chose sous l'eau. Moi, je suggérerais qu'on y aille. On va aller voir sous l'eau, à mon avis, il y a quelque chose qui va être bien plus simple à trouver.
si vous voulez mon avis. Alors, qu'avons-nous là? Mécanique ruin key. Ok, on a trouvé une clé. On a trouvé une clé. On peut respirer à l'infini sous l'eau visiblement, d'accord. Ok, bah écoutez, là il y a une autre clé. Oh. Ocean ruin key. D'or 1, d'or 2. Magnifique. Ça ouvre en fait. Avec les clés on peut ouvrir les accès. Très bien, ça ne servait à rien d'ouvrir ici. Je viens de gâcher une clé pour rien. C'est pas grave. On peut pas respirer à l'infini, d'accord. Je sais pas à quel moment j'ai cru qu'on pouvait respirer à l'infini. Alors, ok. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. Bon, déjà au moins on a un petit truc à faire sous l'eau. Et une ruche d'abeilles. Là où il y a les abeilles. J'essaie quand même de comprendre encore ce qui nous attend par la suite. Parce que là, ça me stresse là. Ça me stresse de pas savoir. Allons par là. Allons par là. Maintenant on peut pas respirer à l'infini en effet. On va ouvrir ici. J'ai une clé ici. Et je vais crever. C'est un cul-de-sac. C'est génial. Y a pas de bulle d'air là. Ah, c'est pas mal. Là. Ok, j'ai compris pourquoi je pensais qu'on pouvait respirer à l'infini. D'accord, on peut respirer dans les bulles d'air. Oh là, j'ai eu chaud. Hein. Oh là, j'ai eu chaud. Il me restait un cœur pour le coup. Alors là, pour le coup. Bordel, bon on va attendre de régénérer tranquillement les amis et on va repartir. Il veut plus régénérer, très bien, mais écoute, ah ça y est, c'est en train de remonter. Ok, bon au moins on a une bulle d'air ici, c'est pas mal. Allez, on va ouvrir ici. Ok. Qu'avons-nous là? Que dalle. Directement, voilà. Comme ça, ça s'est fait. J'ai ouvert absolument pour rien. On va respirer de nouveau. Ah c'est pas facile hein. Allez on y va. On y va, là il me refaudrait encore une clé. Peut-être là-dedans, bien sûr. Voilà, là on a ouvert toutes les portes, facile. Là il nous refaut une clé. Bien sûr, y'a pas de bulle d'air. Y'a pas de bulle d'air. J'ai trop le seum. Y'a pas de bulle d'air, où c'est que je peux récupérer des clés? Ah ah. Voilà qui est fort ennuyeux. On va essayer de partir par là-bas pour voir. Ça, ça va être un casse-tête chinois. Hein. Mais là, je pense qu'il y a une clé à quelque part. Dans les coraux, là, non? Faut bien vérifier. Là, voilà, j'en ai une. Et de une. Ok, très bien. Je reprends mon souffle. Water breathing. Ah ouais, parce que ça te donne l'effet. Ah, je viens de comprendre pourquoi je croyais qu'on respirait à l'infini. En fait... C'est quand tu vas dans cette zone là. Non? Pas du tout. Comment ça se fait que j'avais l'effet? C'est quand tu vas là dedans. Ah c'est ça. Donc là du coup tu peux en profiter. D'accord. Ok j'ai compris. Allez du coup on a 10 secondes devant nous. Donc on va ouvrir la porte à droite. Boum. McDrowned. Très joli jeu de mots. Burger. Hey, you have to pay for that. Oh, je lui ai volé le burger. Je lui ai volé un burger. Attends. Le karma va me tuer là. Ok. Je lui ai volé un burger. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, burger? On peut rien faire avec. Très bien, c'était juste pour le fun. On va essayer de voir quand même s'il a pas d'autres trucs à nous dire. Ça me paraît assez bizarre. Ok. On peut aller là-bas aussi donc. Ok, j'ai rien à faire avec toi. Allez, dégage. Par ici, dis-moi qu'il y a une bulle d'air. Ok, non, il y a une clé, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, purée de pommes de terre. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ose encore y croire, je n'y crois plus. C'est un peu mal fait quand même hein, si je peux me permettre, mais bon c'est pas grave. Ah bon on garde notre inventaire, bon mais comme ça l'affaire est réglée, on peut y aller directement. Un peu mal fait si je peux me permettre, niveau timing c'était un peu improbable de réussir sans mourir mais bon. Allez on continue par ici donc. Donc à droite c'est fait, on va directement à gauche avec une porte à ouvrir. Normalement vous voyez déjà il me reste plus que 3 bulles.
Donc là mon pote, va falloir m'expliquer comment t'es censé faire ça sans mourir. Ah là au moins il y a une bulle d'air, très bien. On arrive vers la fin je pense. Et ça c'est pas encore une épreuve hein. Ça c'est que l'introduction hein. Oh, Blue Shard. Mais non. Donc en fait on vient de faire une épreuve. J'ai rien dit, on vient de terminer une épreuve là. On a la Blue Shard. On a la White, la Green, la Blue. Ok, donc ça nous fait 3 sur 9 au total. Ou 2 sur 8 comme vous voulez. Ok, let's fucking go. Bah du coup on vient de faire une épreuve sans le faire exprès. Directement, voilà, en même pas 10 minutes. Voilà, en même pas 10 minutes on vient de faire une épreuve. On a du coup terminé cette zone. Ok, trop bien. Ah bah je pensais pas, je pensais que ça allait nous mener justement à une zone. Mais en fait la zone était directement là-dedans quoi. Ok, très bien. Eh bien continuons. Oh non, un peu cher. Un demi-cœur. Ok, du coup ça c'est fait. Donc ça nous résout pas en fait l'énigme de là-haut que j'aimerais bien du coup pouvoir comprendre. Mais au moins on a la troisième blue shard. Enfin la troisième shard, donc le troisième cristal. Oh. Ah, j'avais cru voir un levier. Je pensais que c'était la suite. Mais là il y a bien quelque chose à faire là. Y'a bien quelque chose à faire, bordel. J'ai quoi sur moi là? Oh putain, j'avais une torture shell. Ça aurait pu me permettre de faire le truc aquatique sans problème. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fini. Tout ça, on s'en fout. Shard bundle. Je peux toujours pas utiliser ça là? Je comprends toujours pas à quoi ça sert. Bon. Peut-être qu'il faut faire un truc tout con comme ça. Là, y'a peut-être un bouton caché. Pas du tout. Je vois pas. Je. Oh, je suis un tocard. Oh, je suis un vrai tocard. Bah alors. Alors là, par contre, faudra juste pas se foutre de ma gueule. Voilà. Allez, pompez-moi le dard. Bon, je suis sûr que vous l'aviez vu dès le début, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on a déjà pu faire cette cible-là à partir d'ici, du coup. Là, il n'y a rien à récupérer, donc. Ok, purée de pommes de terre. Et franchement, je retire ce que j'ai dit. Elle est bien faite, la map, hein. C'est vrai, elle est bien faite parce que justement je râlais avant, mais il suffisait de mettre la turtle shell et j'aurais pu respirer bien plus longtemps sous l'eau. Oula, j'ai un jump boost, ok, très bien. Merci de prévenir. Ok, et là on va arriver à cette épreuve ici. Let's go! Mais non! On a. Quoi? On vient de faire l'épreuve en fait! On a déjà la quatrième, la lime shard, ok! En 12 minutes on vient de faire deux en même temps. Donc on a déjà fait la moitié de la map. Incroyable, me diriez-vous? Eh ben oui, incroyable mais vrai. Allez, ben là c'est, j'ai tout compris à la map, c'est incroyable. Du coup on va pouvoir redescendre. J'imagine quand même qu'il y a quelque chose à faire ici. Genre la pink shard, à mon avis ça doit être pour récupérer la rose. Là on vient de faire la verte, donc ça correspond à la couleur. On a fait la bleue, ça correspond à la couleur. On avait fait la green shard, ça c'était là-bas dans le temple. Donc là, vous voyez le rose, il y a forcément un truc à faire ici. Donc je vais pas partir d'ici tant que j'ai pas trouvé. Sauf si vraiment on peut pas. Mais je pense que ça va être encore un truc tout con. Si on pouvait se faire 4 en même temps dans le même épisode, ce serait génial. Mais là, il y a forcément un truc à faire. Bon, là, je peux pas passer ici. Hein, on est bien d'accord. Bon, le burger, il sert plus à rien. Très bien, très bien, très bien. Là, je peux rien faire. J'ai rien dans mon inventaire qui me permet de faire quoi que ce soit. Shulker box is locked. En fait, faudrait trouver un truc pour débloquer. Oh. Attendez, bougez pas. Attendez, bougez pas. Je suis peut-être en train de faire ce qu'il faut pas faire, mais c'est pas grave. Moi, vous me connaissez. Quand il y a du parcours. Là, il y a quelque chose à faire, là. Il y a automatiquement un truc à faire. Mais tout à fait. Voilà, faut que j'aille de l'autre côté, tout simplement. Bien sûr. Bien sûr. Attendez. Très bien. Ok, c'est bon, j'ai réussi à trouver comment rentrer dans l'épreuve. Mais non. Ah. Ok, c'est un dropper, c'est ça? C'est une sorte de dropper ou... Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que je suis censé faire. Ah putain mais... Oh, j'avais pas compris que j'avais des élytras sur moi. Mais il fallait me le dire. J'avais des élytras sur moi. Ben oui.
Regardez, ça change tout. Et là, voilà, là je vole. Oh purée. Fallait me le dire. Oh non. Oh non. Ok, là. Ok. Faut que j'aille là. Non, faut que j'aille là. Ok, ok. Oh non, c'est fermé. C'est fermé. D'accord. Ça veut dire il faut débloquer d'abord. Faut passer dans tous les trous. Bien sûr, faut passer dans tous les trous. C'est comme sur Diversity. Waouh, le temps que je comprenne. Incroyable. Alors j'ai vu qu'il y avait un trou là-bas. M'en fous, je l'ai passé, je crois. Il me semble que je l'ai passé. On va quand même vérifier. Non, je l'ai pas passé du coup. Dommage. Maintenant. Quoi? Il me l'a pas compté? Mais comment ça? Vas-y, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On va essayer de... Oh putain. Oh, ça va me gonfler. Oh, ça va me gonfler cette histoire. En fait, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir l'autre. Alors que je passe dedans. Parce qu'il faut le passer dans un sens en particulier, à mon avis. Je l'ai eu! C'est bon, j'ai compris. En fait, faut vraiment le prendre dans un sens spécial. D'accord. Bon, lui, au moins, c'est fait. Lui, là-haut, je sais pas dans quel sens je dois le prendre non plus. Donc ça, c'est cool. C'est chiant. C'est absolument terrible. Oh là là. Quel enfer. S'il te plaît. Continue de m'envoyer loin. Encore. Encore. Plus haut, plus haut. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Là. Allez, sus. Impossible. Là. Allez, hop. Donc. Ouais, d'accord. Allez, c'est pas vrai. Putain. En fait, il y en a pas beaucoup à faire, hein, mais c'est juste qu'il faut aller sur les bons trucs là. C'est absolument terrible. Alors, vas-y, tranquille. Là, on va essayer de passer. Dans le truc mauve là. Alors la fois il faut assez de vitesse mais en même temps il en faut pas trop. Ouais voilà d'accord. Donc c'est à dire qu'il faut le faire dans l'autre sens en fait. Là il faudrait que j'arrive à aller sur ce petit bloc là de slime qui est tout seul. Oh j'ai réussi. Ok j'ai réussi. Reste dessus. Je t'en supplie il faut absolument rester dessus. Voilà d'accord. Ensuite faut aller sur l'autre. Ok. Oh, allez. Ok, bon au moins lui je l'ai eu, meurs pas. Ok, pas grave, bon au moins j'en ai eu un. Mais pas facile, hein. Pas facile. Parce qu'il faut réussir à aller sur le premier bloc là. Donc déjà là, hein, c'est une galère. Et en plus il faut enchaîner l'autre derrière. Oh putain. Allez, mais ouais, tu fais pas d'effort aussi là. D'accord. Hop, allez. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc, hop là, wouhou, ça marche super bien. En plus, je suis sûr qu'il faut passer de ce côté-là. Voilà, c'est ça, incroyable. Ouh, ouais. Et voilà, la porte a été ouverte. Ouais, wouhou. Donc la porte ici, normalement, je pense. Voilà, ça a été ouvert ici. Allez, pour la blague, je vais me remettre de nouveau en mode de jeu. Donc là, la porte, elle est fermée. Donc, faut rester haut, en fait. Voilà. Voilà. Mais là ça ne peut pas marcher. Ah oui. Putain mais on n'a pas le droit à des feux d'artifice là. Putain mais c'est abusé. Faut pas aller trop haut, faut pas aller trop bas. Il y a les chaînes de merde. Regarde j'ai plus assez de vitesse là. C'est n'importe quoi, c'est complètement con. C'est complètement débile. Oh allez putain mais suce mes boules. Ok c'est passé. Mais là ça passera jamais, j'ai pas assez de vitesse. C'est complètement con. Voilà. C'est génial. Tu vois même là j'ai réussi à ne toucher aucun truc. Et ben même là ça marche pas. Ça a été pensé avec le cul. Ouah wow, non mais là c'est... C'est hallucinant en fait hein. C'est hallucinant. D'accord donc on peut faire ça en checkpoint. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça change un petit peu la donne quand même. Fils de... Oh, oh, j'ai de la chance. Ok. On enchaîne. Ça va, c'est qu'il y a assez de checkpoints.
Heureusement d'ailleurs, ça change la donne. Ok. Ah, ça a ouvert ici du coup. Et alors? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux marcher? Ok. Je dois refaire un tour. C'est génial, hein, vraiment. L'éclat total finalement, hein, la définition du bonheur. Bah, je vois pas ce que je dois faire, voilà, c'est formidable. C'est assez fou, hein, finalement. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est génial, à peine buggé. Là, je peux pas remonter. Ah si, je peux remonter là. Pas du tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je suis censé faire. Pourquoi je meurs plus? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Night vision. Wesh, la map elle est cassée. La map elle est cassée. Mais non. Ah ouais, non mais là la map elle est cassée. Je suis censé avoir night vision, ça a ouvert la porte ici. Ah ouais. Ah là c'est pas ma faute hein, pour le coup hein. Bon du coup je me suis mis en game mode spectateur pour essayer de comprendre ce qui est censé se passer. Où est-ce que je suis censé être. Oh j'ai une nouvelle night vision du coup. Ah ah. Attends. Est-ce que là ça marcherait pas de nouveau? Non. Ça m'a juste donné la night vision mais ça ne marche pas. Là je suis censé mourir quand je suis au contact du sol. Alors attendez, on va essayer de réparer le problème entre guillemets. J'ai vu les systèmes de redstone, alors attends. J'avais vu, là voilà, là c'est le portail. Donc qui a bien disparu. Ah. Ah bah je suis peut-être censé être, je suis peut-être censé arriver là, attendez. On va essayer. Pas du tout. Et je vais devoir malheureusement terminer ça comme ça. En espérant que ça fonctionne bien sûr. Donc là t'es censé tout descendre en élytrage, j'imagine bien. Oh des cannes à sucre et des... Enfin des sucres de canne. Là je pense que la porte est censée s'ouvrir, même pas, je sais pas. Très coloré, très joli. C'est vraiment dommage que la map soit buggée par contre. Pour le coup. Oh c'est des sucreries. Très bien. T'arrives là. Ah et ben je pense que t'es censé finir ici. Ah. Du coup, bah, en fait, il faudrait retrouver le spawn, le hub. Et il est là, je crois. Non, pas du tout. C'est là qu'on a commencé le parcours d'Elytra. Mais la map, elle est cassée. J'ai de la night vision ici. Je suis pas censé en avoir. La map, elle est cassée. Au secours. Je peux même pas enlever mes Elytras. C'est génial. On a quoi, là, du coup? Je suis en train de faire des Elytras dans le spawn, quoi. Fire résistance. Fire résistance, donc je suis censé aller dans la lave. Il y aura un truc caché dans la lave à mon avis. Mais là aussi on dirait qu'il manque un truc. Là aussi on dirait que le truc est cassé. Ah ou alors faut aller là-dedans. Il y a peut-être un trou caché. Je pense. Voilà. Pas du tout. Ah là. Ah non. Et en plus on respawn aux élytras. Oh là 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 là, mais quel enfer. Je suis sincèrement dégoûté les amis. Là je m'attendais vraiment à vous faire, tu vois, une petite aventure de... allez, bon vu l'avancée que ça avait pris, puisque là on a quand même eu les 4 shards en 2 épisodes. Voilà, je pensais que ça allait prendre 3-4 épisodes au final. Et au final, mais... Alors ça me fait chier parce que voilà, je vous aurais quand même sorti le premier épisode et celui-ci. Parce que je trouvais vraiment la map intéressante et j'aimais beaucoup faire ces deux vidéos-là jusqu'ici. Donc c'est pour ça que je vous publie quand même les vidéos, ce serait dommage de ne pas vous les publier. Je pense que vous le comprenez bien, mais voilà, c'est bien dommage que, que ça s'arrête là. J'ai regardé un petit peu entre temps sur internet les avis qui ont été donnés à la map, et en effet la map apparemment elle est buggée. Apparemment elle est buggée. Il y en a qui ont réussi à la terminer, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à la terminer justement à cause de bugs. Donc ça m'a l'air d'être un petit peu aléatoire, en tout cas je suis en bonne version, j'ai bien vérifié, j'ai la dernière version de la map et je suis bien en 1.20. Donc le problème ne vient pas de chez moi, malheureusement, mais voilà, en tout cas je vous partage quand même ces vidéos. Et c'est ça aussi le partage sur YouTube, c'est de vous montrer ce qui fonctionne, mais également ce qui fonctionne pas. Et mine de rien, ça aura fait quand même plaisir ces deux petites vidéos. Donc voilà, on peut sous-entendre qu'on a terminé la map si on veut, c'est un petit peu triste dit comme ça, mais en tout cas voilà, soyons pas fâchés évidemment contre les auteurs, c'est la magie des bugs, voilà c'est comme ça. Après faut pas hésiter à tester les maps quand on les crée, mais ça c'est encore autre chose. Allez les amis!
C'était Mkolo les gris et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à très vite. Ciao.